Bonjour mes chers abonnés. Eh bien écoutez, voilà, il est 7h20 et donc je pars faire une longue marche au bord du lac. En fait, j'avais prévu de faire le tour du lac d'Annecy. Je l'ai déjà fait 10 fois, ça fait 40 km. Et en fait, cette nuit, j'ai très mal dormi, beaucoup de douleurs. Donc en fait, je crois que mon corps m'a envoyé un message que c'était plus possible de faire ça. Donc bah écoutez, je vais faire en fait une portion du lac, parce qu'en fait il y a aussi autre chose qui m'ennuie, c'est qu'il y a quand même de grosses portions en fait sur la route, et en fait c'est pas tellement ça que j'ai envie de vous montrer du lac d'Annecy. Donc je vais essayer de passer sur les endroits qui sont les plus sympas. Donc je pars d'Annecy et je vais essayer d'aller jusqu'à Doingt. Je pense que l'aller-retour ça me fera à peu près 1 km, ce sera déjà pas mal. Et donc bah, je suis venue en train comme vous avez vu, et là je pars, je voulais voir le lever du jour sur le lac et vous en faire profiter. Allez, on y va, je vous montrerai des petits endroits sympas. Allez, on va laisser tous ces canards et ces foulques. Je vais continuer mon chemin. Donc en fait, je vais souvent longer la piste cyclable. Il n'y a qu'une portion là où je vais pouvoir être vraiment au bord de l'eau. J'espère que le passage est bon parce que comme vous voyez, le niveau de l'eau est très haut et le lac déborde légèrement. Donc je vais voir si l'accès n'est pas coupé. Thank you.
Bon, eh bien voilà, j'ai pas beaucoup parlé sur cette portion, mais je trouvais que les images méritaient pas qu'on parle. Et donc je voulais vous montrer, regardez la croix qui est sur la montagne là. Donc c'est la croix du Cray où on vous a emmené il y a 3 semaines, je crois, quand on était au col de la Fourque là. Voilà. Voilà, on donne sur le... Je suis sur le bout du ponton. Le soleil s'est enfin levé. Mais le spectacle du lever du jour et du soleil, c'était vraiment fantastique. J'ai adoré. Et là, sincèrement, je suis quasiment toute seule. J'ai quitté toute la portion de route et là, bah, j'apprécie. J'apprécie cette beauté matinale. Désolée, je me lasse pas de ce paysage ce matin. Avec les arbres jaunes, le bruit des vagues. Donc voilà, là c'est toute une portion où on peut vraiment marcher le long du lac. Malheureusement, c'est devenu très très rare autour du lac d'Annecy. Il y a beaucoup de voitures, des pistes cyclables, etc. Donc le lac a perdu un petit peu son côté sauvage. C'est pour ça que je préfère vous montrer que cette portion-là, parce que c'est la plus sympa. Et là, ce matin, avec ces belles couleurs, là, je peux vous dire que je ne l'avais encore jamais vraiment vu comme ça. Donc souvent, ce tour du lac, je le faisais en fait en octobre ou en avril. Et là, du coup, fin novembre, j'y étais jamais venue. Et je ne regrette pas cette expérience. Donc me voilà arrivé à la première commune après Annecy, quand on part sur la rive droite du lac. Donc c'est Vrillé. Et donc là, vous voyez, c'est une plage qui est payante l'été. Donc, je fais un petit arrêt pour vous montrer ça. Et donc on a toujours en face donc la montagne enneigée. Là, c'est les Dents de l'Enfant, ça fait des dents. À sa droite, il y a le Lanfonnet. Et encore à sa droite, tout enneigé, c'est donc la Tournette. Je vous ai déjà montré les autres fois, et une montagne que j'adore. Mais voyez là, elle est tout enneigée. Cette année, ce sera plus possible d'aller y randonner. Bon, il y en a qui vont en raquette. Moi, personnellement, j'ai pas vraiment la forme pour y aller. Regardez ce que c'est joli. Donc là, bah, je vais essentiellement longer le... la piste cyclable, voilà, mais bon, c'est assez sympa, je m'en revends du gravier. Et puis j'arriverai donc à la commune d'après, à Saint-Joriot. Voilà, donc là, depuis chez moi, j'ai déjà fait quasiment 7 km hein, depuis le départ de chez moi. Donc voilà, pour l'instant, les pattes, tout va bien. Allez, on continue. Voilà, une petite rencontre le long du chemin. Ça s'appelle la cavale. Donc c'est entre Sévrier et Saint-Joriot. Salut. Salut toi. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je marche le long de la piste cyclable. Donc le lac est à gauche mais assez loin. J'entends les voitures au loin à droite. Voilà, donc je ne vais pas tarder à arriver à Saint-Joriot. Donc je vais aller sur le port de Saint-Joriot, puisque le village il est à 1,5 km, je pense, du bord du lac. Regardez en face, encore les montagnes, comme elles sont belles. Et donc je vais aviser de ce que je fais, si je vais jusqu'à Douin comme prévu, ou si je m'arrête à Saint-Joriot. Je
regarderai déjà le nombre de kilomètres, mais mes jambes me disent déjà que c'est déjà pas mal. Surtout qu'il faut que je fasse tout le trajet au retour. Allez, on y va. Donc nous voilà arrivés à la plage de Saint-Joriot. Voilà, donc on vient, Annecy est tout au bout là-bas. On vient de là-bas depuis ce matin. Voilà, donc là vous avez le Mont Verrier. Voilà, là on retrouve nos Dents de l'Enfant à droite. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en face, donc c'est Menton. Donc on a un très très beau château à Menton, qui est un château privé mais qui se visite. Voilà. Et donc samedi avec Fabrice, on va aller de l'autre côté du lac pour vous faire découvrir un autre point de vue. Voilà, donc allez, je vais aller vers le débarcadère, vers le port. Alors voilà, samedi avec Fabrice, on va aller donc à la toute petite montagne, pas les grandes, celle-ci, qui s'appelle le Roc de Cher. Et en fait, il y a un belvédère qui donne sur le deuxième lac. Parce qu'en fait, ici, de ce côté à gauche, vous avez le grand lac. Et donc à partir là de Douin, alors je vais essayer de vous grossir ça, de Douin, donc il y a le château que je vous avais montré quand on est... Vous avez été pique-niqué, là, je vous avais montré ce château. En fait, à partir de entre ce Roc de Cher et le château de Douin, bah, vous avez le petit lac. Et donc du belvédère où on va vous emmener, il y a, on voit le petit lac. Alors c'est une petite balade d'une demi-heure. Hein. On partira de Menton où il y a un palace qu'on aperçoit ici. Et donc on va traverser ce Roc de Cher pour aller au belvédère qui est à l'extrémité. Voilà, vous savez tout. En tout cas, c'est très très joli. Bon, eh bien, écoutez, j'ai décidé de m'arrêter à Saint-Joriot et de ne pas aller jusqu'à Douin. Il ne reste pas énormément. Mais en fait, je viens de voir sur mes kilomètres que j'ai déjà fait presque 13 kilomètres. Donc, ça veut dire qu'il faut que je fasse le même nombre de kilomètres pour revenir. Et donc voilà, je pense que pour aujourd'hui ça suffit, je sens que dans les jambes, voilà, il vaut mieux que j'aille pas trop trop loin. Donc bah écoutez, je vais reprendre la route du retour, et puis je vous referai un petit coucou une fois arrivé pas loin d'Annecy. Allez, à tout à l'heure. Donc me voilà revenu sur la plage de Sévrier, il me reste encore une demi-heure, trois quarts d'heure pour arriver à Annecy. Mais je vais conclure cette vidéo ici. Donc écoutez, ben, samedi je vais marcher avec Fabrice pour vous montrer un autre point de vue du lac. Et puis ben, je vous montrerai cette vidéo je pense dans la journée de dimanche. Je vous souhaite à tous une belle journée et à très vite. Bonjour à tous. Bonjour, voilà, aujourd'hui je suis accompagnée. Bon, et bien écoutez, on est à Menton-Saint-Bernard. Alors on est garé un peu plus haut, donc je ne peux pas vous montrer le palace, on ira au retour. Donc comme vous avez vu, on va au Roc de Cher, comme je vous les avais annoncé sur ma marche de jeudi. Et donc on va au Roc de Cher voir le belvédère. Et puis après on reviendra là et on vous montrera le palace au coucher du soleil, ça sera plutôt sympa. Allez, on y va. C'est parti.
Ah merde, il m'a vu. Caché dans ton tipi. Je crois que j'ai pas été assez discrète. Non, ça manque un peu de feuilles et de branchages. Bon, bah tant pis, on essaiera une autre fois. Allez, en route pour le belvédère. Ouais. Bon voilà, après ma partie de cache-cache, Fabrice est parti un petit peu devant, il a voulu passer par un autre chemin. Du coup, on va passer par ailleurs, donc voilà, je le cherche. Mais ça, voilà, c'est le charme. Alors vous voyez, je pense que là, c'est pas le sentier. Allez, on va passer par là. Donc voilà, il n'y a pas grand monde, c'est très agréable, il fait frais, mais c'est très bien pour marcher. Et puis, bah écoutez, on va passer par un sentier que j'avais jamais fait par ici, mais du coup, on va être à plus près du lac. Et puis, et je pense qu'on va éviter de passer vers le golf, parce qu'en fait, à Talloire, il y a un golf. Et là, le sentier qu'on prend habituellement, bah, on passe le long du golf. Alors bon, ça n'a pas un grand intérêt. Donc là, en passant par là, c'est 5 minutes de plus, mais je pense qu'on va éviter le golf. Bon, bah, je vais essayer de retrouver Fabrice. Hein. J'espère que le loup ne l'a pas mangé. Allez, à tout de suite. Bon, je n'ai toujours pas retrouvé Fabrice. Et vous voyez, on arrive quand même sur l'extrémité du golf. Voilà, donc c'est le golf de Talloire. Et donc, on va continuer là. Donc, vous voyez, le lac, il est là, à droite, derrière les arbres. Je pense que Fabrice a dû se trouver un petit coin pour faire des belles photos du lac. Voilà. Allez, je vais peut-être un peu freiner parce qu'il faut quand même qu'on se retrouve. Ce serait sympa. Je l'ai retrouvé. On s'est retrouvé. Voilà. Mais les téléphones, c'est bien utile hein, quand même. On peut dire tout ce qu'on veut. Allez, on y va, ce belvédère. Allez, go, c'est allez, parti. On y va. Donc là, vous voyez, il y a la Tournette, ma petite montagne préférée. Voilà, et donc là, vous avez devant vous le petit lac. Donc vous voyez, on est au bout du roc de Cher, comme je vous ai montré sur la vidéo de l'autre jour. Et donc là, vous voyez le château de Douin, qui est un très joli château qui est privé et qui, celui-ci, ne se visite pas. Voilà, et donc bah là, c'est le début du Grand Lac. Et quand on sera au palace, là, tout à l'heure, je vous montrerai où j'étais sur la balade il y a deux jours. Vous voyez, la vue est superbe. Fabrice va pas tarder à arriver parce qu'il a voulu encore aller faire des photos inédites. Donc je pense qu'il va pas tarder. Le voilà! Un petit détour pour faire des photos plus bas. C'est ce que je leur disais juste avant que tu arrives. Bon, c'est toujours aussi beau en tout cas. Ouais, c'est toujours aussi beau. C'est magnifique. C'est magnifique. Je crois qu'il y a un petit peu de la moquerie dans l'air.
voilà, revenu du roc de Cher, et donc nous sommes à Menton-Saint-Bernard. Donc, je ne sais pas si vous apercevez, il y a un petit débarcadère comme à Saint-Jorio l'autre jour. Et donc là, la montagne qui est en face, c'est le Semnoz, et donc c'est au pied du Semnoz que j'ai longé le lac l'autre jour, en passant Sévrier, Saint-Jorio. Voilà. Donc vous voyez le lac là, c'est la fin de la journée, il est 4h30. Et donc je vous parlais du palace de Menton, je vais m'avancer un petit peu pour que vous le voyez. Voilà, donc c'est un palace qui est très réputé, c'est je ne sais pas combien d'étoiles. Personnellement, je n'y suis jamais allée, ça ne manque pas spécialement à ma vie, mais voilà, je vous le montre parce qu'il est quand même connu. Voilà, Fabrice, on va dire au revoir à tout le monde, la vidéo va s'arrêter là. Eh bien écoutez, j'espère que cette balade de bord de lac vous a plu. Le sentier aussi, c'était sympa aujourd'hui. C'est vrai que c'était plus sauvage que jeudi quand je suis allée marcher. Dans les projets des semaines qui viennent, alors cette semaine, ils annoncent pas mal de pluie. Je pense que cette fois, je vais vraiment tester le poncho et le pantalon de pluie pour voir si ça fonctionne bien. Ça sera sans Fabrice parce que lui, ouais. Bah, voilà, il sera pas avec moi. Et puis dans 15 jours, on aura aussi une petite surprise, un petit hors-série. Mais je laisse le suspense, vous verrez bien. Je vous fais à tous des gros bisous et à très très bientôt. Allez, à bientôt.